Monsieur Richard Lepagnotel, Monsieur Sylvain Leblanc, et Monsieur Pasquale Procopio. L'arbitre, when the bell rings, referee Mike Griffin will handle this bout. Alors, correction, mesdames, messieurs, il s'agit de combat de 10 rounds. Correction, this is a 10-round lightweight bout. D'abord, dans le coin bleu, de Georgetown en Guyane anglaise, portant la culotte bleue et blanche et pesant 134,8 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner from Georgetown, Guyana, wearing blue trunks with white trim and weighing in at 134.8 pounds. Sa fiche professionnelle montre 17 victoires, 7 par KO et 1 combat nul en 20 combats professionnels. His professional record shows 17 wins, 7 by knockout and 1 draw in 20 bouts. Il est présentement le champion de la Guyane, ladies and gentlemen. He is the current champion of Guyana, Gairy, Superman! Et dans le coin rouge de Montréal, originaire de la Roumanie, portant la culotte noire et pesant 134,6 livres. Fighting out of the red corner. From Romania, now living in Montreal, wearing black trunks and fighting at 134.6 pounds. Il a une fiche professionnelle parfaite de 15 victoires, 5 par KO en 15 combats. His professional record reads a perfect 15 wins, 5 by knockout in 15 bouts. Mesdames, Messieurs, le double médaillé olympique, champion du monde amateur en 1995 et l'aspirant numéro 6 de la NABF. Ladies and gentlemen, a two-time Olympic medalist, the 1995 amateur champion of the world, and the NABF number 6 contender, Leonard Le Lion. Bel accueil pour Leonard Dorin, sans doute le plus bel qu'il ait reçu depuis ses débuts à Montréal. Bel accueil mérité, parce que depuis le début ici chez les pros, depuis qu'il est à Montréal, il y a un beau spectacle. Oui, c'est ça. Les gens respectent ses performances, ses efforts au travail, son cœur, et puis on l'applaudit chaleureusement. Sainte-Claire a l'air assez sûr de lui, merci. Et c'est drôle parce que j'ai remarqué ça chez plusieurs boxeurs guyanais, probablement qu'en dehors du ring, c'est des gars qui ont un bon sens de l'humour. Mais ce sont, on va voir les mensurations avant. Sainte-Claire a un avantage de 2 pouces la grandeur et 2 pouces la portée. Et un avantage aussi de 5 ans plus jeune. Donc, tout le poids, ça s'égalise, mais Sinclair a quelques avantages. Il commence en vie, on commence très fort. Absolument. Donc, il ne veut pas démarrer ça sur la défensive. Alors, tant mieux, ça promet beaucoup d'action pour vous tous à la maison. Moi, j'avais prédit ou dans les bars sportifs où vous oui. êtes réunis. J'avais prédit que ça devrait être un des plus beaux combats qu'on va avoir ce soir. Je pense que ça devrait être. On a un amuseur public ce soir sur le ring, mesdames, messieurs. Ça commence dans le ton des autres boxeurs guyanais qu'on a vus récemment. Alors, Sinclair, donc, contre Dorin. Oh, Leonard qui a failli glisser sur le ring. Et pour ceux qui se demandent si Sinclair, c'est un boxeur résistant, il a tenu 12 rounds contre Diro Corrales, qui est présentement l'un des grands champions du monde qu'on a chez, dans le monde de la boxe. Alors, sûrement qu'un boxeur est capable de prendre des points. Et je pense que Dorin le sait. Hein? Léonard sait qu'il a peut-être vraiment un gros défi ce soir là à relever. Oui, c'est un gars qui ne va pas se coucher facilement. Il vient ici pour gagner, et non pas juste venir chercher un chèque de paye. Et puis, il va donner beaucoup d'ouvrage à Léonard ce soir. On vient de voir un jab de Sinclair que Léonard a bloqué, mais comprend avec elle. Il peut avoir un très bon jab, ce Sinclair-là, parce que le jab, ça ne venait pas tranquillement. Il riposte rapidement, il descend sa position oh, très basse. Belle combinaison de Dorin, sa première. Et là, réplique immédiate de Sinclair. Alors, on a quand même deux coqs sur le ring, deux gorgueilleux qui... Oh, belle gauche de Léonard, bien encaissé par Sinclair. Léonard prend son temps, beau début de combat, les mains hautes. Explose quand c'est le temps. On a deux gars, je pense, qui ont... Oh, belle série. Belle petite main droite courte. On a vu Sinclair perdre légèrement le pied, mais je ne crois pas qu'il ait ébranlé. Et Léonard Dorin qui tente, sachant probablement qu'il est désavantagé au plan de la portée, de vraiment de s'immiscer, d'entrer à l'intérieur de Sinclair. Sinclair qui va, lui, sans doute privilégier le mouvement.
Droite au corps de Sinclair. Réplique de Dorin immédiatement. Sinclair est dans le coin. Oh, belle série de Leonard Dorin. Et peut-être que Sinclair va prendre son adversaire déjà beaucoup plus au sérieux après ces quelques échanges. C'est certain que Sinclair sait que Dorin est un boxeur dangereux. Vu son... S'il a vu le curriculum vitae de Dorin chez les amateurs, c'est sûr que tu réponds différent. Un dossier aussi impressionnant. C'est un gars qui est capable d'encaisser. Un gars qui se tient debout dans le Corrales pendant 12 rounds. C'est un gars qui aime ça donner un spectacle. Et là, est-ce que l'arbitre va lui dire de ne pas descendre trop bas? Oui, l'arbitre sera averti de quand même un peu descendre de position, mais pas au point de s'accroupir complètement au sol. Je sais pas. Qu'il descende sa tête en bas de ses hanches, peut-être un problème. Si c'est pas son avantage de se descendre tout le corps, de rester la tête à la hauteur des points de Dorin. Un très, très bon premier round pour Leonard Dorin. Messieurs, j'ai hâte d'entendre vos commentaires lorsque viendra le temps d'y mettre une note. Alors, voilà. Et un combat qui commence très, très bien. Comment accueillez-vous ces trois premières minutes d'action, Alain? J'ai donné pour Leonard parce que le dos dans les cadres, ça a toujours été Sinclair. Donc, Leonard a forcé le combat, même si les échanges étaient pas mal partagés assez égal. Vu que Leonard a forcé le combat, c'est jamais eu le dos dans les cadres, Leonard, donc job pour lui. J'ai le même résultat, 19 pour Dorin. Celui qui a dominé, a porté les meilleurs coups et était constamment sur Sinclair. Alors, vous venez de comprendre pourquoi le public réagit. Et oui. Dans le coin de Sinclair, maintenant, il vient de réaliser, s'il ne le savait pas encore, qu'il a un adversaire sérieux devant lui. Ah, je suis certain qu'il savait qu'il en avait un, mais c'est peut-être son style de tantôt. Il fait un peu le fanfaron, c'est un peu la manière de se détendre lui-même. Alors, unanimité à la table ici. Premier round à Dorin. On va voir très bientôt le verdict de Vigitra. Je pense qu'on peut anticiper la même chose. C'est reparti entre-temps pour ce deuxième assaut. Alors, effectivement, Dorin reçoit le vote de Vigitra pour le premier round. 19. Deux boxeurs très rapides avec des bonnes contre-attaques, des mains rapides. Ça promet vraiment un beau combat. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais un beau combat. Deux beaux boxeurs. Un Sinclair quand même assez rapide en esquive. Bon jeu de jambes. Descend très, très bas parfois. C'est Dorin qui amène son adversaire dans les câbles. Un peu comme tu l'as décrit tout à l'heure, Alain, comme tu l'as analysé. Il tente de faire un peu le même exercice au cours du deuxième round. Toujours Leonard qui force le combat, qui marche vers l'avant. Dorin rêve de devenir champion du monde. Un premier test vraiment important ce soir. C'est pas son premier test, mais disons son test peut-être le plus important. Le plus important, puisqu'une victoire sur Sinclair va le propulser... Dans les classements? Probablement, peut-être, je sais pas si c'est dans les classements, mais c'est sûr que Sinclair a déjà une bonne opinion de lui aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Et c'est une victoire de Dorin. Là, Dorin a repoussé Sinclair. Et finir ce que je disais, si Dorin va chercher une belle victoire sur Sinclair, c'est certain que c'est vu, puis présentement sur ESPN, ça va être vu à travers les États-Unis, ça va juste être bon pour lui. Oui, bien sûr. La crédibilité de Sinclair aux États-Unis est très, très bonne. Donc, dans les classements, quand ils refont les classements, on dit que Leonard Dorin n'a pas battu un deux de pique, a battu un très bon fighter, donc un bon combattant. Donc, il va monter dans le classement. Bonne droite, réplique de Sinclair. Moins d'une 10 à faire. Sinclair qui tente d'établir son jab. Belle réplique de Dorin. Et là, Sinclair a semblé quand même dérangé par les derniers coups. Pas sérieusement, c'est lui qui reprend l'offensive. Jab suivi d'une droite. Ça a été bien bloqué par Dorin. Sinclair qui va peut-être mettre à profit sa portée là, avec. Il tente de le faire en tout cas avec son jab. Mais belle défensive affichée par Dorin. Belle série de Sinclair. Sinclair toujours en mouvement, très difficile à saisir. Oh! Dorin la garde bien haute pendant que Sinclair passe au côté de divertissement de sa prestation. Oui, il faut quand même que l'on en regarde sa concentration et sa garde très haute parce qu'il est tellement imprévisible, Sinclair, qu'il peut être dangereux. Pendant ce temps, il y a de moins en moins de sièges vides dans le centre Molson. On commence à affecter la place. C'est super intéressant. Et l'intensité monte d'un cran de round en round dans la foule. Fin de l'engagement.
doute complété. Êtes-vous d'accord pour dire que ça a été un round plus partagé? Oui. Partagé, mais j'ai encore un avantage pour Leonard Dorin pour moi. Également pour moi aussi, c'est vrai que le round était plus partagé. Mais de mon côté, c'est difficile de, pour nous de juger. Dorin, c'est notre ami. C'est notre, on s'entraîne toujours avec lui. Quand il y a des rounds serrés, c'est certain que je vais favoriser mes chums. Et dans ce cas-là, je peux pas. Le round était très serré, mais j'ai un penchant pour Leonard. Il est toujours agressif, comme l'année tantôt a spécifié. Il s'inclaire toujours le dos au corps. Revoyons une séquence, Éric Alain, là. Oui, ça, c'est la meilleure main droite que Sinclair a envoyée. C'est le meilleur coup du round, même, on peut dire. Mais en général, Dorin a été plus persistant tout le long du round. Alors, Sinclair est son petit numéro. La poule réagit à chaque fois. Dorin regarde ça un peu perplexe. Il se dit, bon, ben. Tant qu'un boxeur boxe, il est ordinaire et il peut remettre des choses comme ça, on peut plus critiquer. Mais Sinclair boxe très bien. Il semble être à l'aise énormément dans la ring. Dans le ring, fait que c'est. Il peut se permettre quelques fantaisies. Alors, M. Jutra, vous n'êtes pas de l'avis de mes collègues à la table ici, le dernier round non, à Sinclair? Absolument. Ce qu'on a entendu dire de. Est-ce qu'on a entendu dire. Hey, est-ce qu'on a entendu dire de Sinclair et se manifeste? Et puis, excusez-moi. Et puis, j'ai accordé le dernier round à Sinclair. Ça, j'ai un combat égal jusqu'à maintenant. Oui, un dernier round très partagé. Alors, merci, M. Jutra. On va avoir un beau crochet de la part de Dorin qui a atteint la cible. Toujours Leonard Dorin qui se fâche, se porte à l'attaque, marche vers l'avant pour pousser Sinclair dans les câbles. Oui, je crois que dans son fond, on lui a demandé de couper le ring un peu plus. Que Sinclair se promène quand même allègrement dans la ring, même si Leonard est toujours dessus, on sait qu'on veut qu'il coupe plus le ring encore. On lui demande aussi de faire des feintes dans son coin. On est juste à côté du coin de Leonard Dorin. On lui demande de couper le ring, oui, et de faire des feintes. On se retrouve au centre. Oh, belle attaque de Dorin. La foule réagit immédiatement. C'est ce qu'on attend pour entrer dans le combat, vraiment, là, pour sentir cet enthousiasme dans la foule. La garde toujours bien haute. Sinclair ménage ses attaques. Là. Il vient d'y aller d'une série, mais encore là, des coups sans grand résultat. Un jab logé à la tête de Dorin. Dorin qui tente de le charger dans le coin, tente de l'acculer au câble. Sinclair s'en tire bien. Dorin vient de jeter un petit coup d'œil dans son coin. Question de voir peut-être si on n'a pas des indications à les fournir. Et là, c'est un signe de grand respect également pour les consignes qui viennent du coin. Oui, puis il y a un très bon contrôle de ses mouvements, de sa respiration, regardez, et puis essaie quand même de oh, c'est de lui prendre. Qui charge, là. Et là, belle série, il y en a plusieurs qui ont été bloqués quand même. La garde était haute du côté de Sinclair. Il va tenter de revenir. Dorin qui, vraiment, là, intensifie ses attaques. Intensifie. Et on lui dit savoir, de continuer. On lui dit de continuer. Il y a une vitesse par en avant, puis je crois qu'il va pouvoir faire ça tout le long du combat. Il n'y a pas de danger qui ralentisse. C'est un gars qui a une forme physique exemplaire. Alors, il peut là, se laisser aller à des attaques soutenues. Il est dit complètement à son entraînement, à son sport. Donc, c'est certain que c'est pas un gars qui néglige sa préparation. C'est vraiment l'agresseur, Alain. Hein? Je oui, pense qu'il n'y a pas de doute. Et à la fin de tantôt, je voulais dire qu'il écoute vraiment les consignes de son coin. Son coin lui demande de se porter à l'attaque, de mettre beaucoup de pression. Et belle défensive, parce qu'un coup, belle esquive de Dorin. Une bonne plein de vues à tout le monde pour les dernières secondes de cet assaut. On est au troisième, je vous le rappelle. 6 secondes seulement à faire. OK, on vient de demander à Leonard là, de se calmer pour compléter l'assaut, simplement. Hein? Alors, il écoute vraiment à la lettre tout ce qu'on lui dit. Je pense que le monde lui appartient. Et la foule apprécie. On a un très beau combat jusqu'à présent, beaucoup d'action, des échanges. Il faut rappeler que je crois que Sinclair n'a jamais dépassé KO à livrer des combats avec Diego Viralès qui a fait 10 rounds. Alors, c'est une victoire par KO pour Dorin serait très bénéfique, serait bien vu envers les Américains et les autres. Oui, ce round-là, le round qu'on vient de se passer, Leonard a démontré une supériorité. C'était plus flagrant que les deux premiers rounds. Oh, Arturo Gatti à l'écran cette fois! Et à nouveau, les réactions du public. Oh, et tu vas voir tout un accueil, celui-là, ce soir. Ah, c'est certain, les gens ont hâte de le voir. Et c'est avec le sourire qu'ils se rencontrent. Et je pense que
sûr qu'il pouvait s'imaginer être bien accueilli ici, mais je pense qu'il avait, il va le réaliser, mais qu'il soit sur le ring ce soir. Ouais. Il va le réaliser à quel point il peut devenir vraiment quelqu'un d'important ici. Hein? Je l'ai aimé, les Québécois il l'est déjà, là. Je veux rien enlever. Il est déjà important partout sur la scène internationale, mais ici, là, vraiment, là, il y a de l'électricité dans l'air et c'est en grande partie dû à sa présence ici, Arturo Gatti. C'est reparti, messieurs. Quatrième round. Voyons voir si le cœur de lion va poursuivre là où il a laissé au troisième. Beaucoup d'énergie déployée par Dorin au troisième round. Et là, c'est Sinclair qui devra aussi, parce que c'est pas tout de se tenir debout pendant un combat. Il faut y aller de quelques attaques également. Ouais, il va démontrer s'il veut vraiment gagner. Oui. Là, c'est lui qui s'accroche parce que Dorin commence à l'essouffler. Il a toujours chargé. Là. Tantôt, on l'a dit, quand un gars veut se battre pour tenir le coup, il s'organise pour tenir le coup, mais c'est pas, j'avais pas nécessairement dit qu'il essaye de gagner. Ça, absolument. C'est... Et tu l'as vécu, Eric, tu l'as vécu, Alain. Et vous avez vu des adversaires, des fois, qui... Tu as des gars qui sont là juste pour survivre. C'est donc, ça. Le spectacle en souffle un peu. Hein. Sinclair semble vouloir mélanger quelques coups avec Dorin. C'est bon. Évidemment que c'est un combat important pour Dorin, non seulement parce que tout ce qu'on vous a dit, mais il y a plusieurs promoteurs américains qui sont ici ce soir et une bonne prestation devant un public enflammé, ça peut faire gagner des notes, ça. Oui, et ça peut aussi faire grimper des bourses aussi. C'est ça, puis en plus que le combat est présenté aux États-Unis, puis tout le monde en le plus. Voit. Une minute 20. On demande à Leonard, encore une fois, de couper le ring et il le fait très bien depuis le début du combat. Je crois que ce qu'on veut, c'est que Leonard amène le plus possible Sinclair dans les câbles, dans le coin des... Soit dans le coin ou dans les... Pour que Sinclair ait le moins de place possible à se déplacer ou à faire ses mouvements. Et c'est Sinclair qui accroche les bras de Leonard, ouais. Donc il est débordé. Oui, il commence à... Je pense qu'il commence à le trouver fatiguant, le petit cœur de lion, hein? Oui. Oh, droite au corps de Sinclair. En contre-attaque, il y a l'esquive de Sinclair. C'est lui là, qui tente de distribuer quelques coups, mais Dorin ne tarde pas à revenir à la charge. Sinclair qui tente d'utiliser son jab. Il y a un petit bout de temps qu'il n'a pas fait de fanfaron. Je pense qu'il y a autre chose à faire. Hein? Mais peut-être que tu te rends compte que Leonard était très sérieux. Il commence à respecter Leonard un petit peu plus. 25 secondes. Oh, belle gauche de Dorin au moment où Sinclair, lui, est en train de se préparer, mais c'était trop télégraphié. Dorin a saisi l'opportunité. À nouveau, Dorin est l'agresseur. Sinclair dans les coins, se baisse un peu. On voit que Dorin est l'agresseur, mais on a pu voir un beau mouvement défensif de Leonard. C'est qu'il avance sur Sinclair en ne laissant jamais sa tête devant Sinclair. Il bouge la tête des deux côtés, il avance avec... C'est très difficile pour Sinclair de toucher la cible dans ce temps-là. Leonard Dorin a vraiment, là, au point de vue technique, vraiment, on ne peut pas lui reprocher beaucoup de choses. Non, présentement, moi, j'ai une domination. Leonard Dorin a gagné tous les rangs. Ça va bien. Il écoute son coin, il est calme. Il est en superbe condition physique. Oh, Stéphane Ouellet. Stéphane Ouellet dans son vestiaire. Et là, on voit que son heure arrive à Stéphane. L'heure de vérité, diront plusieurs. Parce oui. que c'est un nouveau départ. Ou peut-être... Peut-être la fin, hein? je ne vais pas parler pour lui, mais Stéphane pense surtout à un nouveau départ, beaucoup plus qu'à la fin. Une soirée importante. Plus concentré que jamais. Et on a tous hâte de voir de quelle façon il va se présenter sur le ring. Revoyons Leonard Dorin, une belle gauche. Un beau crochet que pendant que Sinclair est un petit peu en déséquilibre, atteint la cible. Très beau coup. Le crédit va à Leonard, il a profité de la situation, le déséquilibre du mouvement de Sinclair avec sa main basse. Léonard a marqué un point. Le juge Jutra donne le round à Léonard. Wow. Alors, trois rounds sur quatre à Léonard sur la fiche du juge Jutra. Moi, j'ai quatre rounds. 4-4. Oui, 4-4. Éric également. Quatre rounds pour Léonard, exactement. On vient de voir une des plus belles mains droites de Sinclair jusqu'à présent au début du round. C'est le cinquième. Sinclair là, qui doit absolument, on lui a sûrement prodigué quelques conseils dans son coin, tu devras afficher beaucoup plus de combativité, être plus offensif. Et c'est un round qui commence sur cette note pour lui. Là. Alors, beaucoup plus de coups. Le jab sans cesse qui travaille. Oh, une bonne droite à la tête de Dorin. Mais quelle réplique de Dorin! Au corps, à la tête, quelle belle combinaison encore une fois. Exécution parfaite. Rien pour déranger la concentration de Léonard. Il avance sur la main s'il se frappait, c'est comme s'il ne sentait pas. Léonard, c'est un gars qui est extrêmement solide.
moment d'accalmie au milieu de ces nombreux échanges. On demande à Dorin de revenir avec un peu d'énergie. Belle droite de Sinclair. Belle droite qui ne dérange pas encore Léonard. Léonard souvent mettait les gants avec moi, avec des gars plus pesants que lui. Et puis, il est capable d'encaisser? Encaisseur. Et on les poids le matin très fort, lève aussi pesant que les gars de mon poids. C'est un gars qui est très solide. Ouais. Qu'on voit dans le coin gauche de votre écran, les victoires contre ses principaux adversaires. Oui, Sinclair est devenu comme gaucher. Il a sorti une belle gauche à Léonard. Et là, il est en gaucher. Oui. Est-ce qu'il vient de déjouer Dorin? Mais là, Dorin revient à la charge. La foule réagit encore une fois. Et là, Sinclair qui... Sinclair, c'est pas quel côté. Il sait plus trop sur quel bord boxer. Là, il est encore un gaucher. Est-ce que c'est facile de tourner de côté comme ça? Pour certains là, qui ont le talent naturel pour le faire, pour d'autres, c'est un peu plus difficile. Dans son cas, ça semble bien fixer les deux. À mon avis, c'est peut-être le meilleur round de Sinclair depuis. Oui, il a touché la cible à quelques bonnes reprises des mains droites avec des gauches. Des belles esquives ici. Une gauche de Léonard Dorin qui a effleuré le visage de Sinclair, heureusement pour ce dernier. Parce que il y avait quand même. Léonard était sur son pas avant. Ça aurait pu poser plus de dommages. Seulement 30 secondes à faire, à mi-chemin dans le combat. Léonard qui touche un peu moins la cible à cette seconde-ci. Sinclair a fait plus manquer. Mais force toujours quand même le combat, ça porte vers l'avant. Sinclair, oui, une meilleure prestation. Revient en gaucher, il semble avoir du succès. Oh, oui. Et belle combinaison, tu le sais. Oh, le mélange, l'échange le plus furieux depuis le début du combat. À la grande satisfaction du public, c'est l'heure de ça. Oh, et ça promet de bons moments. Ça promet de bons moments pour la fin de ce combat. C'est le cinquième round qui se termine sur cette note. Oh, bel échange, messieurs. Hein? Très bel échange. Belle fin de ronde. Très spectaculaire. Et là, on vient de passer aux choses sérieuses. Regardez l'échange d'après à nouveau. Sinclair qui vient de toucher la cible. Oh, et là, c'est Dorin qui a fait un Sinclair d'une bonne main droite. Il n'y a pas directement sur le menton. Et là, des hauts, les échanges. Dans l'échange, Dorin a semblé toucher la cible plus souvent. A beaucoup plus mélangé, au cœur, à la tête. Plus précis, plus. Ben moi, dans ce rang, je suis quand même allé du côté de Sinclair. Je crois qu'il a apporté les mains, les coups les plus solides. Son excuse peut-être la fin du rang, qui est le plus serré. Pendant qu'on va dévier le turn, la réaction de la foule. Alors, on se rend compte que c'est encore Stéphane qui sera le favori. C'est plus Stéphane que les... Et là, j'ai l'impression, messieurs, qu'on va reprendre exactement là où on a laissé ici sur le ring. Pendant qu'on voit Dave très concentré parce que son heure arrive lui aussi. Dave Hilton contre Stéphane Ouellet, combat à venir sur Indigo. On a eu un 10-10 de la part de M. Jutra, le dernier rang. C'est surprenant qu'on donne des rondes nuls. On devrait toujours, comme on disait tantôt, avoir... C'est étonnant, un combat nul, mais le juge Jutra, on pourrait lui en parler tout à l'heure. Deux combats nuls en ce qui le concerne. C'est une bonne question à lui poser. Ouais. Quelques fois, j'étais porté à donner des rondes nuls et puis on m'a dit « Oups, décide-toi ». Ben, on est là pour juger un combat. On t'a donné un gagnant. On peut pas, je pense, donner un nul. T'sais, on a foutu un gagnant. En général, oui, mais pour quelques fois, si le round était vraiment, vraiment serré, c'est dans mon cas, moi, j'aime pas jouer à pile ou face. Bon, moi, je me casse pas la tête. Quand c'est un round serré, je vois que mon favori est celui que j'ai peut-être une préférence. Alors, ça se poursuit. 1:56 à faire. Alors, un moment de calme, cette première minute. Oh, ben, à mélanger au grand plaisir de la foule. Corps à corps et en sortant, Dorin qui loge une petite droite sur le bord de la mâchoire de son adversaire. À nouveau au centre, belle gauche de Sinclair. Il a remonté sa garde un peu, Sinclair. Sinclair semble vraiment être entré dans le combat, là. Dorin y est depuis le début. Alors, c'est Sinclair qui a du rattrapage à faire sur les cartes des juges. Échange simultané. Oh, oui. Belle gauche. Bien esquivé, bien encaissé, je dirais, parce que... Oh, quelle belle droite de Léonard Dorin. Réplique immédiate de Sinclair. Encore en gaucher. Semble qu'il soit plus confortable de cette façon. Oh! Alors, une fois, un échange soutenu. Et vraiment, là, il y a beaucoup de coups qui sont distribués. Dorin, qui veut se battre, repousse Sinclair. Veut continuer les hostilités. Veut continuer d'échanger avec Sinclair, qui lui aussi, quand même, se mêle de la fête.
Bon, il va de plus en plus en combinaison d'un, deux, trois. De moins en moins juste avec des petits coups isolés. Ben, des petits des gros coups isolés, mais. Les réactions des boxeurs sont super parce qu'aussitôt qu'il y en a un qui rentre avec un enchaînement, l'autre réagit tout de suite. Puis... deux gars qui sont en super forme et puis beaucoup de vitesse aussi dans leurs mains. Oh, belle essence! Oh, deux bons coups! Troisième de Dorin! Sinclair dans les câbles et là, Dorin qui va d'une mitraillade de coups. Avec 20 secondes. Oh, un autre coup à la tête! Un autre Sinclair dans ce qui est difficile! Alors, il est ébranlé! Dorin qui continue de marteler! Sinclair! Sinclair continue de mélanger pour montrer à l'arbitre qu'il est là. Et c'est Sinclair qui revient à la charge! Oh! Sinclair qui a tué la cible solidement à la fin. Under. Il m'impressionne parce que honnêtement, il a mangé quand même quelques durs coups. Et c'est là que ça va. Furieux! Et la foule se lève! Oh, tout un combat. La foule se lève partiellement à centre à Montson, mais ne veut pas, on apprécie ces moments excitants. Hein? C'est tout un combat pour les deux gars du jeune présentement. Je pense que les gens sont reconnaissants. Ce combat-là, là, c'est une très belle surprise. C'est un très beau bonus pour la soirée de ce soir. Je suis content parce que je l'avais prédit au monde que je parlais. Je surveillais le combat Sinclair de Rennes. Ça devrait être le meilleur combat ce soir jusqu'à présent. C'est pas décevant, Eric. C'était non, pas trompé. Il en reste deux. C'est ça qui est le bon lieu. Alors, si les deux derniers sont aussi bons que celui-là, on va être une soirée. Quand on a un combat de cette classe-là, qu'il en reste deux sur la carte, généralement, on est parti pour une bonne soirée. Pendant qu'on va dans le vestiaire de Hutchinson, adversaire de Gatti. Oui. Hutchinson qui, lui aussi, bien concentré, les yeux qui fixent la caméra. C'est le seul de tous les boxeurs qu'on est allé voir dans le vestiaire. C'est le seul qui fixe là, la caméra. Il a l'air très confiant. Oui. Alors, on va aller retrouver le juge Guy Jutras maintenant. Juge Jutras, on a eu de très beaux échanges dans les deux derniers rounds, particulièrement le dernier. À qui vous le donnez? Mario, il y a plusieurs qui avaient prédit que c'était pour être le meilleur combat de la soirée et je crois que c'est exactement ce qui se produit. Le dernier round, il est encore un autre round très, disons, rapproché, mais j'ai accordé quand même à Leo Dorin de 19. Vous vouliez aller au round précédent, je juge très rapidement, d'un round nul. C'est rare qu'on voit ça. Non. Dans la grande majorité des cas, quand tu vois un juge donner 10-10, tu vois les deux juges, des fois, différer de leur score. Monsieur Jutras, merci. On retourne à l'action puisque les deux boxeurs veulent reprendre là où ils ont laissé. Oui, les deux ne semblent pas vouloir ralentir. Sinclair semble avoir le désir de la victoire, tout comme Dorin. On risque d'avoir un combat très intéressant d'ici là. Ça l'est. Il faut être en super forme pour offrir la performance de ces deux gars-là ce soir. Une bonne vitesse de résistance. Là. Bravo, chapeau à ces deux gars-là. On savait que Sinclair est un boxeur de calibre international. Dorin, jusqu'à présent, il l'avait montré. On n'avait pas encore vu contre un boxeur à ce calibre-là. Nous démontre que maintenant, il y a des qualités d'un top 10 mondial. Ah, et ça va lui ouvrir bien des portes. Oh, bel uppercut de Dorin. Oui, c'était court. Cool, ça a sorti rapidement. Et Sinclair qui veut revenir à la charge. Oh, encore une fois, bel échange. Il y a une droite de Dorin qui a touché la cible, mais Sinclair, quand même, on le voit depuis le début, c'est assez clair, est un bon encaisseur. C'est un gars qui a paru vraiment ébranlé une fois, là, tout à l'heure, mais il restait bien debout quand même. Jusqu'à présent, il a pris de très bons coups de Dorin, puis réussi à tenir le coup. Il a déjà su la défensive de Leonard Dorin, toujours bien placé sur ses pieds, toujours les mains hautes. Même ses attaques sont superbes. Jusqu'à date, il mène le combat, mais sa défensive est très, très bonne aussi. Une minute. Dans ce round, s'il est à l'image des derniers, on est sur le bord d'assister à une explosion. Si on suit les derniers, il avait raison, Mario, ça va être assez spectaculaire. Et voilà, Leonard qui semble repartir de plus belle. Belle esquive, Sinclair qui est allé de deux crochets, mais qui ont passé dans le vide. On récupère tout en s'accrochant un peu. C'est parti. Et c'est très agréable pour les spectateurs de voir deux gars qui veulent s'affronter, qui ne s'évitent pas. Ils se font face. 30 secondes encore au round et normalement, ça devrait exploser. Il y a peut-être de la récupération également à un moment donné aussi. Là, c'est certain qu'à un moment donné, dans un coup, il faut toujours prendre un round où ce qu'on veut récupérer. Mais dans un Dorin qui veut terminer fort avec 12 secondes. Dans le cas de ce combat-là, on dirait que les deux veulent pas trop ralentir. J'anticipe une fin de combat. Les derniers rounds, là, très, très spectaculaires. Oh, bonne fin de round pour Dorin encore.
Là, c'est assez curieux. On a vu l'arbitre gaming s'interposer parce qu'il y a une affiche publicitaire qui a été touchée qui semblait déranger Sinclair. Mais il n'y a pas eu de bris officiel. Il s'est carrément interposé. Alors, c'est cet assaut de compléter. Et ce dernier, messieurs, on va revoir quelques extraits tout en demandant vos commentaires sur les échanges. Une belle uppercut de Dorin qui a touché le côté de la figure de Sinclair. C'était probablement le meilleur coup de cet échange-là. Il a sorti l'échange avec un jab, empêché l'adversaire de rentrer à l'intérieur. Très intelligent, très bonne tactique. Alors, Dorin qui s'apprête à faire un grand pas en arrière dans sa carrière, si ça continue comme ça, parce que là, je veux pas annoncer le résultat, parce que c'est trop serré, on sait jamais ce qui peut se produire d'ici la fin, là. Mais c'est de bon augure. C'est de très bon augure contre un gars qui s'est tenu debout, contre un champion du monde, contre Corrales. Éric, qui nous en parlait plus tôt. Oui, Corrales, qui présentement est l'un des meilleurs boxeurs au monde, livre pour livre. Et c'est reparti. La prestation de Leonard Dorin ce soir, là, moi, il m'épate, sa défensive, ses attaques, sa condition physique, sa précision, sa vitesse. Et le juge Jutra a loué le dernier round à Sinclair, mais messieurs. Et là, c'est Sinclair qui va d'une attaque explosive dans ce début de round. Il y a le jeu de très bon coup. Voyons voir comment Dorin va réagir. Sinclair a touché la cible avec de bons coups. Oh, oui. Clean, cible, le clean. Oh là, oh, Sinclair à l'attaque. Est-ce que Dorin est... Non, il a décidé d'aller en défensive. La garde bien haute. Il semble vouloir laisser passer cette rage soudaine de Sinclair. Peut-être un peu surpris par ce début de round très agressif. Et là, ouf, un crochet de gauche qui a passé dans le vide. Et là, Sinclair qui domine cette première minute. Oui, jusqu'à présent, a porté les meilleurs coups. Et il continue. Voyons voir comment Dorin va réagir. Il prépare sans doute quelque chose. Et là, voilà un bon uppercut. On a vu la tête de Sinclair vraiment être soulevée littéralement sous l'impact de ce coup. C'est arrivé directement sous le menton. Et là, voyons comment Sinclair va pouvoir poursuivre à ce rythme pendant ce qui reste. Il semble avoir poussé pas mal la pédale un peu trop à fond dans le début du round, parce qu'il semble ralentir quelque peu. Il continue. C'est lui l'agresseur dans ce round. On va avoir une fin de round explosive de la part de Leonard Dorin, d'après moi. Bien, effectivement, je pense que c'est une prévision qui pourrait se concrétiser. Parce que là, Leonard est en mode récupération ou... Mais encore une fois, moi, je peux dire que je connais l'expérience de ces gars-là et d'avoir des explosions qu'ils ont faites jusqu'à date et rendu au 8e round avec la condition physique qu'ils ont là. Je lève mon chapeau. Là, c'est Dorin qui veut revenir. Une bonne droite. Il a montré l'autorité. Il y a une droite quand même assez ferme. Aux quelques coups qui ont percé la défensive de Sinclair. Il semble avoir touché le visage. Belle esquive. La garde toujours bien haute. Dorin, quand même prudent, respecte son adversaire. Série 3 qui touche encore. Dorin avec des petits coups, on tire. Oh, belle droite, belle droite de Dorin. Plus de récupération, peut-être explosé vers la fin. Il me semblait qu'il gaspille un peu moins d'énergie dans ce round-là, comparativement aux autres. Et à venir jusqu'à maintenant, c'est un round quand même là, dont le rythme a été peut-être dicté davantage dans les deux premières minutes par Sinclair. Voyons comment Leonard va terminer avec 30 secondes. Un petit corps à corps. Alors, est-ce que c'est stratégique ou c'est une petite baisse de régime pour Leonard Dorin? D'après moi, c'est plus stratégique qu'une baisse dans une condition physique parfaite. Pour finir très fort, 9 et 10 aussi. Exactement. Il a dominé la majorité des rondes. Il pouvait se permettre un round. Normalement, on ne se perd jamais de perdre le round, cependant. Mais on peut se permettre des fois de slider un peu la pédale. Dorin revient énergiquement dans son coin. Il n'a pas l'air du tout d'un gars fatigué. Alors, j'ai l'impression qu'on va sans doute lui prodiguer quelques conseils intéressants pour. Moi, je donne ce round-là à Sinclair. Je pense qu'il a été le plus actif dans le début du round. Et il a dominé, selon moi, le dernier round. Moi aussi, même si Sinclair a très bien fini. Alors, regardez le début de round de Sinclair qui a semblé surprendre Leonard Dorin. Ils n'ont pas tous touché la cible, mais quelques-uns ont pu passer. C'est vrai qu'il faut faire attention, hein? Comme tu dis, Eric, des fois, l'impression qu'on a en direct, quand on a le privilège de voir des reprises... Là, on a pu voir qu'il y a peut-être un coup ou deux seulement qui a touché sur tout ce qui est envoyé. Mais des fois, Dorin n'a pas plus touché, mais c'est Sinclair qui était le plus intense. Au niveau de l'impression que tu laisses au juge. C'est ça, exactement. Ouais. Et parlant de juge, sur ces images, il y a eu un bon jab de Dorin. On va retrouver à nouveau le juge Guy Jutra. Alors, M. Jutra,
Sinclair qui a démontré beaucoup d'énergie dans ce round. Absolument. Les premières deux minutes étaient contrôlées par Sinclair. La première demi de la troisième minute, Dorin a pris l'initiative, mais Sinclair a fini assez fort pour se mériter le 10-9 dans ce dernier round. Alors, vous avez 77-76 en faveur de Dorin pour absolument. L'instant. Absolument. C'est très, très chaud. Très, très serré. Absolument. Alors, merci beaucoup, juge. J'ai opté le dernier round pour Sinclair aussi. Morgan. Même si on a fini en force, Sinclair avait tellement dominé au début de round. Oh, bonne droite de Sinclair. Qui... Oh, belle réplique immédiate de Dorin. Là, Dorin qui a l'intention de reprendre où il avait laissé. Là, il a-t-il quelques rounds? Parce qu'il y a quand même peut-être un bon deux rounds qu'on ne l'a pas vu là, déployer des attaques soutenues. C'est important que Léonard reste avec des coups courts depuis le début, comme il vient de faire là. Pas besoin de... Puisque Sinclair, c'est un qui bouge bien le haut du corps. C'est important que dans ce là que les coups restent courts, puis Dorin doit revenir à ça. Rester à ce qu'il a fait depuis le début, de toute façon. Oui, parce que c'est de cette façon qu'il a dominé le combat, d'après ma carte à moi. Sinclair qui est demeuré en gaucher, mais c'est pas en permanence. Là, il se promène. Semble à l'aise avec les deux côtés de... Oh! Quelques coups quand même, là. Belle séquence pour Dorin, sans avoir des coups pour une mise hors de combat, des coups qui marquent des points. C'est exactement. On the sleeve, Leonard! Defense, Leonard! Keep moving! Je demande à Léonard, comparativement au début du combat, ce que je disais, qu'il bougeait bien la tête lorsqu'il avançait. Là, Léonard semble être porté à rester plus la tête droite. Ouais, ouais, ouais. Il a mangé quelques coups de plus. Plus d'un bloc et plus vulnérable à ce moment-là exactement. Aux attaques de Sinclair. Son coin lui mentionne de garder sa tête en mouvement. Oh! Une droite solide, Dorin, et voyons si Sinclair l'a bien encaissé. J'ai bien hâte de voir la reprise à quel point elle a heurté solidement Sinclair. Il semble pas plus ébranlé, mais ça semblait quand même assez solide. On peut voir l'expérience de Sinclair, c'est un peu plus d'autres, et puis très bonne expérience, solide. Le. 50 secondes à faire. C'est l'avant-dernier round. Semble tout indique qu'on va se diriger vers la limite. Oh, bon mélange de coups. Et là, c'est Dorin. Beau crochet. Ça me prend le dessus. Oui, très beau crochet. La gauche a marqué. La droite par la suite. Et c'est Sinclair qui cherche à se coller à Dorin. Encore une fois, des coups au corps. Continue de marquer des points. Alors, Dorin, là, un round qui va venir jusqu'à maintenant, là, dans lequel il se débrouille très bien. Une bonne gauche à travers tout ça. Autour de Sinclair de revenir. Dorin a été déséquilibré le temps d'un instant. Là, son jeu. Puis, bonne droite encore une fois. Oh, gauche combinaison. Et Dorin qui attaque avec de plus en plus de vigueur. 10 secondes à faire. Oh, belle série encore une fois. Quel mélange. Sinclair qui a terminé avec quelques coups. Et voilà. Je m'attends à tout un dixième round. Oui, parce que même si Sinclair a fini avec les meilleurs coups à la fin du... dernier round, Dorin a dominé largement, je pense, ce neuvième round. D'accord comme, avec toi. Et comme Alain prédit, je pense qu'on va avoir un bon dixième round. Alors, un combat où Leonard Dorin semble au point en avance, mais quand même pas au point de s'asseoir dessus. Je crois que Leonard, il ne veut pas se contenter d'une décision. Il voudrait plaire au public, gagner par un chaos. Exactement. Puis aussi, Leonard n'est pas le genre de gars, je pense, qui va s'asseoir sur son avance. Il veut, comme Dorin a dit, il veut donner un bon spectacle. Puis sûrement qu'il ne ralentira pas dans le dernier round. Ah ben, un combat qui n'a pas été décevant. Les meilleurs moments, on les a peut-être vécus au milieu du combat, quoique le 9e a été ponctué de quelques belles attaques. À la fin du round, deux, trois bons coups qui ont touché la cible de la part de Sinclair sur Dorin. Mais comme j'ai dit, moi, mon verdict va quand même à Dorin parce qu'il a dominé largement le dernier round. En tout cas, monsieur, on peut voir que les coups ont porté parce que Sinclair danse beaucoup moins qu'au début. Oui. Il a arrêté de danser assez de bonheur. Et là, ça va danser pendant trois dernières minutes. Si on se rend jusqu'au bout, c'est le dernier round de ce combat prévu pour 10, donc. J'aimerais qu'on compte le nombre de coups de poing. Il va s'en donner. Oh, quelle belle droite de Sinclair. Et là, j'ai l'impression que la défensive va prendre le bord pendant quelques instants. Je serais curieux de savoir quelles sont les consignes dans le coin de Leonard Dorin. Si on le croit en avance dans les cartes des juges, on lui a peut-être demandé de ne pas justement trop mélanger avec son adversaire. Belle droite de Dorin. D'après moi, ce qu'on a dit, c'est encore de mettre la pression, de garder ses meilleurs, de ne pas changer. Et la foule qui se met de la partie là, Leonard qui a glissé et qui a failli manger un coup de poing là au moment où il glissait. Oh non. Au moment où la foule scandait Dorin, c'est dommage, ça vient de freiner son momentum. Hein? Ouais. Pour finir, ce que je voulais dire, on n'a sûrement pas demandé à Dorin de ralentir son rythme, mais sûrement d'être plus, de faire attention défensivement et d'exploser
au moment opportun. C'est ça, de garder ses mains hautes, de continuer le travail qu'il a fait et de bien faire attention parce que peut-être que Sinclair, celle qui tire de l'arrière, va mettre un effort supplémentaire. Mais il y a cette impression que Dorin voudra laisser au public. C'est pas l'impression d'un gars qui se ménage. C'est jamais ça à quoi il nous a habitués. C'est reparti. Combinaison de Sinclair, bien esquivé par Dorin. 1 minute 44. Dorin qui continue. Belle uppercut suivi d'une gauche. Belle série de coups et à fond. Oh, quelle gauche que tu sais d'acier, mais là, Sinclair est dans les câbles de Dorin. Il va manger un bon coup. Attention, attention, Sinclair, la tête débranlée. Voyons comment Leonard va réagir. Oui, Dorin s'en est branlé. Il est débranlé. Attention, attention, là, c'est Sinclair qui se passe en attaque. Il veut revenir. Ce gars-là a un cadre très gros. Oh, oh, et là, attention, il vient de manger un autre coup solide. Et là, Dorin qui revient de charge. Oh, débranlé, plus solide du combat. Ça, c'est Sinclair qui s'en débranlé. Oh, attention! Incroyable! Les deux se sont ébranlés, chacun leur tour. C'est, le public est gâté ce soir. Et là, il reste encore une minute. Les deux vont quitter. Et là, on vient de demander dans le coin de Dorin, là, de peut-être faire, d'être un peu plus prudent. Maintenant, c'est fait. Il a le combat dans sa poche. Il reste une minute. Il devrait garder ses règles les 30 dernières secondes. On lui demande de récupérer un peu, mais il y a l'instinct également hein, du boxeur qui est difficile à freiner là, dans une situation semblable. Là, les deux sont écoutés. Les deux ne peuvent pas. Oh, et là, c'est clair, ça va déséquilibrer. Oh, là, c'est Dorin qui va l'attaquer. C'est clair qui est rappelé. On se donne coup pour coup. Oh, quel combat. 30 secondes à faire. Et c'est pas fini. Attention. Oh là là, attention. Dorin de manger un bon coup de Sinclair. Et c'est pas fini. C'est coup pour coup jusqu'à la fin. Qui va être debout? C'est terminé! Oh! Combat extraordinaire! Quel bagarre! Quel combat! Quel bagarre exceptionnel dont nous venons d'être témoins ici au centre Molson! Oh! Un combat pour l'homme! L'un des beaux combats qu'on a vu dernièrement ici. Oh là là! Ben honnêtement, là, ces gars-là... On avait prédit un des meilleurs combats ce soir. Ça va être dur à battre. Ça va être fun de voir les autres, là, mais ça va être dur à battre, celui-là. Je pense que... Écoute, c'est une finale qu'on vient de voir, là. Oh, ça, oui. C'est juste ça, ce soir, là. C'est une finale qu'on vient de voir, là. Et c'était furieux. Et il y a eu plusieurs échanges, là, vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est sûr que c'est le cauchemar, sans doute, des entraîneurs, messieurs. Mais oui. On a complètement abandonné la défensive à un moment donné. Regardons les meilleurs moments du dernier assaut. C'était très intense que Leonard Dorin va se faire plus de supporters encore ce soir avec la performance. Oh, oui. Ah, quel spectacle! Et Leonard Dorin qui n'a jamais voulu baisser les bras. La dernière ronde, très dur à juger malgré tout. Oui. J'ai donné à Dorin peut-être par partisanerie, peut-être le dernier. Mais... quelle honnêteté, mais c'est... effectivement. C'était un combat très. Les deux, on s'en est ébranlé dans le ronde, on a changé de gros coups. Alors qu'on voit Dale Brown qui vient retrouver Leonard et qui lui apporte son fiston, je pense que le fils de Leonard va venir le rejoindre. Mais toute une exhibition de boxe. Alors ce Sinclair-là, quand même, et quand on parlait que ça en prend deux pour danser, messieurs, Sinclair, vraiment, et Dorin, ça en prend deux. Et on a eu deux boxeurs qui voulaient vraiment donner une bonne prestation. Oui, deux gars. Tout un spectacle. Oui, deux gars avec beaucoup de cœur. Les deux ont été frappés, ont été touchés d'aplomb dans le combat. Adrien, son plus vieux. C'est Leonard, il y en a deux. Ai-je besoin de vous dire que le public a apprécié? Le public a grandement apprécié cette prestation. Regardez la condition physique de Leonard Dorin. Allons à Christian Gauthier, monsieur. Le juge Leblanc, 97-93. Judge Leblanc scores at 97-93. Et le juge Procopio, 97-93. Judge Procopio scores at 97-93. For the winner, by unanimous decision, le gagnant, par décision unanime,
on n'est pas content, le gérant ou l'entraîneur, je ne le connais pas, de Saint-Clair, qui est allé voir dans tous les coins pour les juges, pour les invectiver. Il va venir près du nôtre. Il voulait tous leur passer le message pour dire que... J'espère qu'il pense que c'est quoi. Son boxeur a donné un très beau spectacle, mais n'a pas gagné ce combat-là. Moi, j'avais une fois invité en 92 dans le regard de Dorin. Comme j'ai dit, peut-être mon dernier round, un peu de partisan dans moi, mais c'était fait normal. Moi, j'avais même chose, 98-92, Leonard Dorin. Alors voilà, Leonard Dorin qui quitte le ring. Green, one start, one win by way of...